Étienne Symphorien Kalala Banandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Botenabino Banso. Wanogwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawa Salimi Yanini Ote. Banabetu Basuwe, Moyoweno, bonsoir. Bampangi ya Mounou ya Luzolo, Bampangi ya Vincent, Mbote na Benou, yonso. Ana, lengo, Moyanyo, tche. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. La messieurs Bayimboka Banamboka Tokutani Lisusu Banabetu Takupetana Chakabidi Wandu Wapenzi Wasikilizaji Tuna Kutanisha Tena Leo Leo Tutazungumuza Mamboya Evêque Mukuna Ana pata crise banamube baku dispensaire. Sasa hivi hatujui soki a komi ndenge nini. Voilà, pétition pe et baby. Pétition wana basinyaki et pas 60 personnes. En Chiluba, on dit l'eau soit le moins, le acabo les champs soyons. Mais ici, il y a trois en soi, c'est-à-dire Ndongé. Ndongé Moko, donc à police à Ndongé Nyons. Vous voyez, Ndongé? Oui. Bisson à Chiluba, tout le baka, en soi. Bon, moi, ce qui est belé. Moko ce qui est polikara, c'est-à-dire Bangouen soit copola. Donc, il y a 62 signatures. Déjà, il y a une signature contestée. Après, il y a encore deux autres députés qui disent que. Voilà, il y en a un qui dit que Monsieur Lubumba, je suis confiné. Comment est-ce que mon nom se retrouve là-bas avec mon nom qui est tronqué, falsifié gauchement, c'est même pas mon écriture, voilà. Ça ne va pas. Donc, cette pétition-là, ces noms-là, dans son entièreté, elle est mise en doute. Elle est mise en doute. Même si la présidente Mabunda disait que, voilà, ça passe ou ça casse. Allez, ceux qui ont signé là, ça suffit. Mais le président qui s'était dit peut faire une surprise et puis dissoudre le Parlement. Voilà. Nous allons encore parler de quoi? Mais c'est tout. On va parler seulement de ces deux points-là. Voilà. Parlons de l'évêque Mukuna. L'évêque Mukuna a été agressé. Oui, de loin, parce que c'était de l'extérieur, il était dans sa cellule. On frappait à sa porte. Plusieurs fois, quand, ouvre, sinon nous pompons les produits. Pendant 30 minutes, hein. Bon calculé, pendant 30 minutes, Balobi, ceux qui ont fongolité, t'ont pompé les produits. L'élon à Tongo, crise. Crise et Kangi, celui crise Yanin, mais bah il s'est sauté. Est-ce que Kogi Kozarke Bango ba pompa qui produit wana? Azu crise n'ayeni. Kaka jour, ben cher compatriote, bah il kobe ta porte, bah menacer que bati a produit. Si ko le lona tongo, azu crise, bah memiye na dispensaire ya prison. Est-ce par hasard? Donc il y a un problème, bah pompa qui produit Balingi Babo Maye. Balingi Babo Maye. Éveil patriotique et Zalikara
avec Mokunate. Éveil patriotique, ils allient ensemble et abattent. Donc, ils ont la première vice-président, ils ont la deuxième vice-président. Donc, Jean-Claude Katende a zali ko conduire éveil patriotique. Voilà. Ce qui va salir ma vie. Bazali commis le problème. Hein? Déjà, ils ont problème déjà. Ça, c'est déjà un problème. Déjà, Ibrahim Kabila, qui soutient l'évêque Mokuna. C'est une boîte à Pandore, hein? C'est une boîte à Pandore, Makambi Bele Bele où ils ont caché et Kobima. Boîte à Pandore, pourquoi on dit Pandore? Bon, comme on a écouté en français, hein, ils allient Pandore, Azalaki Moissi, il y a un certain dieu, il y a bas grec, n'a pas mythologie, n'a pas histoire, n'a pas Kala, il y a 3000 ans. Bazala qui n'a Dieu n'a pas bango bazala n'a pas Dieu et belé, hein. Bisous tous à la gina. Nzambi, Nzambian Pongo, Vidi Mukulu, Nzambi même en Chiluba. Mon coca, comme bango est belé et belé. Bon, Dieu, Azala qui Makasi, donc Azala qui Zeus. Zeus, oui, bah, Romain Babanda, Kobenga Jupiter. Si quoi Zeus, wana, Dieu, mon quoi, tombe qu'il aille, aïba feu, naïe. Pose sa zalaki, Dieu moko yaba tonnerre, yaba kake. Aiba, namaka mosusu, a tena boîte à kangi, a pesi moi sinaye Pandore. Promete, hein? A pesi moi sinaye Pandore. Alobi, kofungo la te, boîte wana, kofungo la te. Pandore a bandai koye bate makamuni et zalaki nakati. Yangwana, 3000 ans après, balouara toujours la boîte de Pandore. Pandore, yangwana. Voilà, ce qui m'a dit, bah, détail, botel, na Wikipédia. Bah, oyo, bah, tanga, humanité gréco-latine. Bon, bah, et bien, moi, hein, la histoire. Mais l'élo, le savoir, la culture générale est donnée à tout le monde, hein. Il y a Internet, Wikipédia, tout le monde peut se documenter. Voilà. Chers compatriotes, nous avons une petite vidéo là-dessus. Après, nous vous faisons lire l'information publiée par politico.cd. Ah, bonsoir. Bonsoir. Merci Bon, il y a une question,
En tout cas, Chers compatriotes, ma camboza minene, banani balingi baboma, Pascal Mukuna, évêque Pascal Mukuna. RDC, victime d'une crise, Pascal Mukuna transféré en urgence au dispensaire de la prison de Makala. Donc, zalipolitico.cd. Nabotoun à 2h du matin, Ndenge azali koyebisa na audio moko, batu moko bayewana bayeko beta porte, ba beti beti pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes wana bayebisiye, soki ofungoli te toko pompe soki ni, soki produit ni. Donc, tombe tani, asali crise. Est-ce que tout le bake ba pompa ki produit wana ou bien ba pompa ki produit wana te? Quelles seraient les conséquences si jamais l'évêque Mukuna disparaissait de cette façon-là? Chers compatriotes, banani bazali ba bénéficiaire ya makambo ya boye ya menace ya 2h du matin. Banguna ya justice, bien sûr. Ba oyo ba ke kofunda ye kuna. Donc, Baoui Bazali, Sima ya moi siwana. Attendez, chers compatriotes. Nous continuons donc la lecture, chers compatriotes. Alors, nous allons commencer par le coronavirus. Alors, le COVID en RDC aujourd'hui, mercredi le 20 mai 2020. Personnes infectées, 1731 personnes. Personnes en soins, 1368. Personnes guéries, 302. Personnes décédées, 61 personnes. Chers compatriotes, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Donc, Nalobi, Nalikambo ya COVID-19, Baskanda les Ali. Donc, Toyebi Sokinani, Azosala, Bamafia Wana, Soki, ministre de la Santé, Eteni Longondo, ou bien docteur Muyembe, Batwe Bele, donc, Bazali, Kosalaba témoignage, comme médecin Moko. Batangi a bomaki mutu azana makala ake koyebisa ba prisonnier ke ba pesa kabango ce qui 10 000 dollars ce qui a bomi mutu moko et puis baza na bato na bango pe bazelaka basionaka les morgues ce qui mutu akufi ba proposer bango 5 000 dollars baloba ke akufa ki la la COVID-19, finalement, il y a du désordre dans cette histoire. Donc, nous espérons que le président de la République va s'impliquer dedans pour qu'on fasse, qu'on arrête tout ça et qu'on arrête les responsables s'il y a des preuves. Voilà. Bah, chiffre, voilà. Oh, les chiffres officiels. Est-ce que ça y a solo? Est-ce que ça y a soloté? Bon. Tous les cacao et les alliés officiels. Voilà. Alors. Victime d'une crise, Pascal Mukuna transféré en urgence. Oui, ça, le titre, on a déjà vu, on a commenté là-dessus. Alors.
L'évêque Pascal Mukuna est victime d'une crise ce mercredi 20 mai matin. Depuis sa cellule du CPRK, Makala. CPRK, ça veut dire Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. C'est une prison. Il est acheminé d'urgence dans le dispensaire de la prison pour les premiers soins. Évêque Mukuna a fait une crise et il est en soins à l'hôpital de la prison. Mais ici, on n'indique pas s'il a fait quelle crise, quoi. Ceux qui cherchent la mort de l'évêque le payeront un jour, a tweeté Jean-Claude Katende, numéro 2 de l'éveil patriotique, mouvement citoyen initié par le représentant légal de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Voilà. Selon Katende, un audio de Pascal Mukuna depuis la prison centrale de Makala, ce dernier ferait l'objet des menaces depuis sa cellule où des individus non identifiés sont venus frapper à 2h du matin en lui demandant de sortir. Ce qu'on n'a pas ajouté ici, c'est qu'il menaçait de pomper un produit. J'ai un morceau de vidéo là-dessus, je vais vous montrer ça. Je dénonce le complot contre l'évêque Mukuna. Des inconnus sont allés frapper à la porte de sa cellule à 2 heures du matin, lui demandant de sortir. Il s'y est de rappeler que RDC. La détention provisoire de Pascal Mukuna est prolongée jusqu'au 3 juin, soit de 15 jours. Le tribunal vient de prolonger la détention de l'évêque Mukuna de 15 jours encore. Le combat continue, avait tweeté Jean-Claude Katende. Transféré jeudi 14 mai dernier à la prison centrale de Makala, Pascal Mukuna a d'abord passé une nuit, mercredi 13 mai, au parquet général près de la cour d'appel de la Gombe, après confrontation avec Mamie Tshibola. Cette dernière l'accuse de viol, menace de mort et rétention illicite des documents. Mais nous savons très bien que l'évêque Mukuna et la majorité des Congolais disent qu'il s'agit d'un montage. L'audience de son procès est fixée pour le 25 mai prochain à la prison centrale de Makala, Thierry Fondo. Donc, vous savez, chers compatriotes, que l'évêque Mukuna demande un procès public, hein, parce que même cette vidéo-là qui a été publiée lui dit que c'est un ancien boxeur, il a des tatouages sur son corps. Que ce qu'on voit là, c'est un montage, c'est juste une tête ajoutée, et patati patata. Voilà, de toutes les façons, c'est du domaine de la vie privée, parce que le plus important, c'est son combat patriotique, la plainte qu'il a déposée contre les crimes économiques et de sang de Joseph Kabila. Des crimes contre l'humanité. Voilà, chers compatriotes. Voilà. Ah, pauvre de lui, Jean-Marc Kabound, premier vice-président du Parlement. Oh là là! Après le député national UNC Mpiana Ntumba, il y a maintenant deux autres députés, Kitambala Kalonda et Yannick Lumbungoy, qui contestent l'apparition de leur nom sur cette pétition. Donc, ce qui veut dire que cette pétition est Polinango. Non, c'est publié toujours par politico.cd, comme nous pouvons le lire là. Pétition contre Kabound après Mpiana Ntumba, Kitambala Kalonda et Yannick Lumbungoy dénoncent un faux et usage de faux. Ouais. Ouais. Est-ce qu'ils vont tenir compte de ça? Oui ou non, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la présidence de l'UDPS a déjà annoncé qu'il n'y aura plus de coalition en cas
de, comment est-ce qu'on dit, limogeage ou quoi, il ne sera plus premier vice-président du Parlement. Donc il sera out. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de coalition parce qu'il est là dans le cadre de la coalition. Et même, la Cour constitutionnelle, nous avons appris que ils viennent de donner leur point de vue, que légalement, ils ne connaissent pas le FCC, ils ne connaissent pas le cash. Donc, voilà. Ce qui veut dire que on répare à la case de zéro. Hein. Donc, il n'y a pas de majorité. Parce que la majorité, parce que comme on revient au parti politique ou au regroupement politique comme l'AFDCA, que la Cour constitutionnelle a reconnu aussi comme appartenant à au président Bahati Lukwebo, ce qui veut dire que maintenant, il faut revoir les majorités. Donc, aucun parti politique n'avait eu 251 députés pour se considérer majoritaire. Donc, on repart à la case départ. Le président de la République nommera un informateur et puis il se créera une autre majorité. Parce que la Cour constitutionnelle ne reconnaît pas le FCC, donc le FCC ne peut pas se considérer comme étant un regroupement politique majoritaire n'ayant pas participé comme tel aux élections. Voilà, donc Jean-Marc Kabound peut se tranquilliser là-dessus, si jamais ils prennent ça en considération, parce que dans ce pays où le PPRD et Joseph Kabila, les kabilistes, se croient tout permis, ils sont capables de n'importe quel désordre, parce que le président Félix Tshisekedi, ne nous voilons pas la face, il ne maîtrise pas tout. Comment, par exemple, des inconnus peuvent pénétrer dans la prison, aller frapper à 2h du matin à la porte, à la cellule de l'évêque Mokola Pascal, frapper pendant 30 minutes et menacer d'y pomper un produit toxique. Où se trouve le directeur de cette prison? Le directeur de cette prison depuis Kabila, est-ce qu'on a changé? Ça ne se fait pas. Le directeur de la prison ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de ça. Non. Nous avons décrié ce directeur général de la prison. Le collègue Komi Boyer, président à co-dissoudre les sous-parlementaires, parce qu'il y a co-constitutionnel Balobi que Baebi FCCT, Baebi KHT. Donc, Tozongeli, ba parti politique, n'a pas regroupement politique. Donc, pas besoin de dissoudre le Parlement. A nommé Kaka informateur, ba Sali, ba Bandeli à zéro. A Sali majorité, n'a pas député, ba député à Bahati Lukwebo, parce que ba une co-constitutionnel a ignoré. Dédoublement il y a AFDCA, il y a Nenenkoulou. Voilà, on verra ce qui va se passer. On continue la lecture. Voilà. C'était où? Après le député national UNC Mpianantumba Simon, les députés Christophe Kitambala Kalonda et Yannick Lumbu Ngoy ont saisi séparément ce mardi 19 mai la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, en rapport avec la signature de la pétition relative à la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Ces deux députés ont signifié à Janine Mabunda
qu'ils n'ont pas signé la pétition initiée par leur collègue Jean-Jacques Mamba et dénoncent un faux et usage de faux et un faux en écriture. Voilà. Il y a une suite, voilà. Ces deux élus disent n'avoir pas apposé leur signature sur le dit document et se disent surpris de voir leur nom et leur signature tronqués et trafiqués sur la liste des pétitionnaires alors qu'ils sont bloqués à Lubumbashi depuis le mois de mars suite aux mesures d'urgence sanitaire prises par le président de la République. Ah, ça c'est la Kabylie. Il est du MLC, mais il est instrumentalisé, manipulé par la Kabylie. Bon, je ne dis pas le FCC parce que, on ne reconnaît plus le FCC par la Cour constitutionnelle. Hein. C'est le peuple qui gagne. Voici ce que l'élu de mots par Christophe Kitambala écrit dans sa missive à la présidente de l'Assemblée. Je suis à Lubumbashi, en confinement depuis le 22 mars 2020. Et c'est à partir d'ici que j'ai été surpris d'avoir identifié mon nom et une signature tronquée insérée parmi les pétitionnaires. Je dénonce haut et fort cette manœuvre qualifiée par notre législation des faux en écriture, puisque n'ayant pas été consulté en aucune façon à cette démarche. Donc ça met en cause maintenant toute la pétition. Elle est pourrie. Voilà. Et de confirmer n'avoir pas engagé sa personne dans cette pétition. Ouais. Son collègue Yannick Lumbu dit avoir quitté la capitale depuis le 18 mars dernier et dénonce un acte immoral et qui, selon lui, est un manque de respect à son endroit. Ces gens ont une politique jusqu'au boutiste. Hein? Ils ont tout fait avec le président du Sénat, Tambwe Mwamba, de destituer à partir d'un congrès comme ça, monté de toutes pièces pour destituer Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut destituer ou révoquer, je ne vois pas le terme correct, le premier vice-président du Parlement, Kaboun, parce qu'il a dit qu'ils utilisent trop d'argent, 7 millions comme il avait cité, pour organiser un congrès. Mais s'il a dit comme ça, c'est qu'il sait qu'à chaque fois qu'ils organisent un congrès, il y a des millions qui sortent, même si ce n'est pas 7 millions, mais bon. Il a dénoncé quand même quelque chose. Et déjà, on voit, pourquoi pas, parce que déjà, Tambwe Mwamba est impliqué dans un détournement de fonds. Il aurait surfacturé la réhabilitation du Sénat. Et il y a une plainte qui est gelée dans les tiroirs. Une plainte déposée par la sénatrice Bijou Ngoy. Voilà. Il faut examiner, il faut auditer tout ça pour savoir combien ont coûté les anciens congrès avant de destituer le vice-président du Parlement. Est-ce qu'ils ont opérer des audits? Est-ce que la personne qui devait être auditée, est-ce qu'elle accepte? Cet acte immoral ne constitue ni plus ni moins qu'un manque de respect à mon endroit. Et seul son auteur en connaît les raisons l'ayant motivé à commettre cette illégalité. Voilà. Mamba, Jean-Jacques Mamba, qu'est-ce qu'il a fait? Ça sent la corruption. Ça sent la manipulation. Et d'ajouter, je vous certifie, madame, n'avoir pas engagé ma personne dans cette pétition. Comme leur collègue Mpiana Ntumba Simon, les deux parlementaires se réservent le droit de saisir la justice pour faux et usage de faux et faux en écriture.
dans sa réponse à la transmission de la pétition lui envoyée par Jani Mabunda, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a mis en cause cette dernière pour avoir reçu la pétition relative à sa baisse d'échéance. Voilà, chers compatriotes, c'est une information de politico.cv. Normalement, et Bébé Libango, hein, on ne peut plus considérer ça. Si Jean-Jacques le veut, il peut réinitier une autre pétition. Parce que celle-là, le peuple regarde. Hein. De toutes les façons, le peuple n'attend que la dissolution du Parlement. S'il chasse Jean-Marc Kabound, c'est la dissolution. Et si on considère les notifications, parce qu'ils disent que ce n'est pas des arrêts, des constats, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, le FCC n'est pas légal, le CASH n'est pas légal, ce ne sont pas des regroupements politiques enregistrés et a fortiori lors des élections de 2018, hein, décembre, donc ils ne se sont pas fait enregistrer comme tel, donc cette majorité-là n'existe pas, il n'y a pas de majorité FCC, aucun parti politique n'a eu 251 députés. Donc, on repart à la case zéro. Voilà, Tokosuki Sassi Koyona, Pasteur Mugalu. Bandeko, Pasteur Mugalu, Akimi Justice. Babengakiye, mardi. Mardi, wana, Tokotang, Labino, message. Oyo Bakomi est passé sur cette point CD. Donc, Babengakiye, les lotoyoki qui a se présenté, tout le monde a commis au banc la justice. Parce que Ibrahim Kabila a déterminé, il y a lobby test ADN Kaka. Test ADN. Donc, malgré Bato et Bazo Lobake, Azali aventurier, escroc, voilà, il y a lobby, voilà, tout ce qui est le Cambouana na test ADN. Baebi place, Zoto y a Laurent Désiré Kabila Azali, Bakoki Kokende, prélevé ba échantillon, Bazali test ADN, et ce qui wana. C'est bizarre. Bomona wapi bandeko. Au lieu baloukana, bazali koyinana. Laurent Désiré n'a pas eu seulement ses trois enfants-là, qui ne sont même pas ses enfants. Nous avons plusieurs témoignages. Nous avons tous déjà regardé ces témoignages-là. Le témoignage du ministre actuel de la Défense, Ngoï Mokena. Les témoignages de Moïse Katumbi et tout ça. Et puis, nous allons vous mettre deux ou trois vidéos après la lecture de l'information concernant le pasteur Mugalu qui est en train de fuir la justice. Bakosuki, ça y est. Et puis, Ibrahim P. Asiliki, donc, a quelqu'un porté plainte contre le pasteur Mugalu. Ça va finir mal, hein? Aluka ki ma kambwana, asil sayango. Donc, nous tous, nous attendons, hein? Mais comme les gens de la Kabylie sont habitués à ça, agoki ma kakago s'est présenté, hein? Parce que Tilelo, bah, dossier mon sous ses âges, j'ai l'air dans le tiroir, hein. Bah, plainte contre Bateau et à la Kabylie. Neti, directeur général, ou y'a, ou j'ai frère, ou y'a, Kimawan, Antio, Kakake, Azana, ambassade, y'a Tanzanie. Tissiko, y'a Azali, qui s'est présenté, t'es Azali, copé sa bas condition. Vraiment, il faut en finir un jour avec cette
Kabylie. Ok, on passe à la lecture de l'information. Bon, na 7sur7.cd, de Monique, pasteur Mugalu, a commis qui ma justice, hein, bah, invité à comparaître mardi. Bon, les informations, il est kaki déjà, mais tozongi lango parce que pasteur Mugalu a se présenté à guité. Affaire Ibrahim Kabila, Théodore Mugalu a invité à comparaître ce mardi au parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe. Le voilà, l'homme qui a divisé les enfants de Kabila. Il avait commission de faire taire tous les enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila. Vous vous souvenez, lors de l'assassinat de Kabila Moulenga, la fille de Laurent Désiré Kabila, qui avait toutes les preuves d'être la fille de Laurent Désiré Kabila, ce pasteur Mugalu, ça c'est un diable, hein? Un pasteur, normalement, il doit dire la vérité. Il a nié, il a dit que elle porte le nom de Kabila par hasard, elle ne fait pas partie de la famille. Alors qu'elle avait des passeports et Laurent Désiré l'utilisait comme, pas comme une ambassadrice itinérante, mais Laurent Désiré envoyait sa fille en mission. Il y a des preuves, il y a des lettres, ses passeports diplomatiques et tout ça. Et voilà. Ce bon pasteur ou mauvais pasteur, nous dirons mauvais pasteur, tout ce qu'il a trouvé à dire, que ce n'était pas la fille de Laurent Désiré Kabila, elle portait un nom qui ressemblait, mais elle n'était pas de la famille. Théodore Mugalu, ancien chef de la maison civile de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, est invité à comparaître ce mardi 19 mai à 13h au parquet de grande instance de Kinshasa Gombe. D'après une correspondance consultée par 7sur7.cd ce lundi 18 mai 2020, Gilbert Mwamba, officier du ministère public, a indiqué que cette invitation est relative à l'instruction du dossier judiciaire ouvert à charge d'Ibrahim Kabila Touareg sur sa plainte. Lors de son passage à une émission télévisée vendredi dernier, Ibrahim Kabila avait affirmé être l'un des fils de Mzé Laurent Désiré Kabila. Ce dernier avait aussi accusé le pasteur Mugalu d'avoir joué un rôle majeur pour diviser la famille Kabila. Par la suite, il a été appréhendé puis conduit à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa où il a été entendu sur procès verbal. À en croire des sources concordantes, cette interpellation était consécutive à une plainte déposée contre lui par le pasteur Mugalu. Voilà, chers compatriotes. Sikoyo, il s'appelle encore Kabila comment? Ibrahim Kabila. Il est déterminé à obtenir un test ADN. Donc, il confirme qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Il a été élevé à Lubumbashi par la tante de Kabila, qui a été empoisonnée. Et qui ça? Kyungu Wakumwanza, le président de l'UNAFEC, ouais, quelque chose comme ça. Il confirme que la tante d'Ibrahim Kabila venait régulièrement lui rendre visite avec cet enfant-là. Il connaît très très bien Ibrahim Kabila. Dans ce feuilleton, ce qui peut trancher, c'est seulement l'ADN. Mais est-ce que Joseph Kabila va accepter l'ADN? Il veut aller jusqu'au bout. Hein? Il a porté plainte en ce net moment. Il a porté plainte contre Théodore Mugalu.
Et déjà, hier, quand on l'a invité, il ne s'est pas présenté. Les Kabylis, ils sont comme ça. Hein. Quand ils voient qu'il n'y aura pas d'issue pour eux, ils ne se présentent pas. Mais il faut que la justice aille jusqu'au bout, parce que nous en connaissons un, le directeur général de l'OGFREM, qui, jusque-là, il se cachera à l'ambassade de Tanzanie. Il ne veut pas se présenter, il ne veut pas du tout. Donc, il y a même d'autres plaintes contre des gens du FCC, mais des kabylistes, qui sont gelés dans des tiroirs. Je ne sais pas. Bon, ils ont encore une partie du pouvoir, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de liaisons. Alors, ils gèlent beaucoup de choses, ils utilisent le chantage, ils utilisent beaucoup de choses. Il y a par exemple, la journée du 17 mai qui marque l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, son entrée à Kinshasa. Bon, il a été décidé qu'on ne fête plus ça. Et voilà, et Zoé Kabila, il a trouvé bon d'aller s'exhiber avec ses 700 militaires bien armés et pour montrer que voilà, il est là et que ces militaires-là sont à sa solde. Il leur a donné des vivres, des cadeaux, des biens, comme ça, des denrées alimentaires. Mais ce n'est pas la fête qui a été acceptée. Il veut tout simplement... Non, qui n'a pas été acceptée parce que le président Félix Tshisekedi a supprimé cette journée-là. Il n'y a pas de jour férié pour le 17 mai. C'est le jour qui nous a apporté les malheurs que nous avons aujourd'hui. Les malheurs de la présence des Rwandais avec... Des contrats à la con, et puis, excusez le terme, et puis, je sais pas, des pactes diaboliques, tout ça, des accords diaboliques, les accords de l'Émirat, d'autres accords comme quoi les Rwandais doivent être naturalisés congolais. Ils peuvent parcourir tout le Congo comme ils veulent. Voilà. Alors, terminé, le 17 mai, on ne fête plus. Mais lui, Zoé, il a trouvé bon d'aller fêter cette journée-là dans sa province, comme pour montrer que, voilà, vous, président Félix Tshisekedi, je vous ignore. Et voilà. Mais chaque chose en son temps, hein, chaque chose en son temps. Ils finiront par payer tout ce qu'ils nous ont fait. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par un bonus. Tanzanie, parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens ici réellement. Les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. On devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même le tabouchesse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais une carte de Zaïre, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Allô? Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec les pieds. Vous allez bosser, il y a fort. Moi, je vous pose la question. Qu'on puisse me dire,
Oui, hein. Mais là, écoutez, il a sauté. Oui, moi, ce soir. La pointe, avant au compte à sa famille aussi. On l'a mis dans le il n'y a pas longtemps. Ok, il y a quand même. Il a sorti les numéros de passeport. Au côté à membre de la famille du président Kabila. Au côté à super et au moins quoi. Si vous nous aviez trouvé au pays, n'a pas coin. Alors, chers compatriotes, nous allons terminer par cet humour. J'appelle ça humour, mais c'est sérieux quand même. J'appelle ça humour parce que ça fait rire. Alors, il y a Olive Lembe, l'épouse de l'ex-président, imposteur. Ouais, j'assume ce que je dis. De l'imposteur Kabila. Il demande à tout le monde, donc indirectement aussi, à son mari Kabila, êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père? Voilà, et ça fait rire, hein, chers compatriotes. C'est très sérieux, hein. Donc imaginez-vous que Kabila est en face, il dit « Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père ?» J'espère qu'elle n'a pas attrapé des gifles, parce que Kabila, hein, dans le temps on apprenait que Kabila l'a frappé. Hein. Je ne sais pas s'il continue toujours à la frapper. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêterons. Par là, suivez. Pas de commentaires. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère? Pas de commentaires. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère ?